Là, tu le mets toi. C'est quand même un So, first reporting. What's the date today? It's 12. 12. Do you wear your mask? Do you wear a mask? Yeah. 13th? 12. 12, okay. The 12th of December 2010. Something is. So, okay. 12th December 2010. No, 2009, yeah. Okay, 9, yeah. We're gonna do the first reporting. We're gonna leave Shoreditch. This is the team. Okay, we have a new character in the team. It's called Gavin. Hello, Gavin. Hello. Hello. Jasmine and Francesco, you know already. So now, where are we going? Do you know where we're going? The Noy Gallery, Red Church Street, just down from the Elm and Pussy Clark. Okay, let me turn off this terrible music. Okay, so now we have it. We're going to this gallery on Richard Street. Okay, so okay, let's go and we will start the reporting. I'm sorry, it's the first reporting and
I wear my Los Angeles cap. Oh, but it won't happen again. He's become so English, he's apologizing already. Yeah. Okay, now so you translate I can that. Tell you that. okay. Oh, how beautiful. Thank you, Dad. What a lovely. How lovely. So, Gavin, can you introduce yourself, please? AKA for Ghoulish Anum. Manx Gaelic for having no name. Bearing no name, not being in possession of a name. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, French TV, French télé, pardon, this is never gonna get it. The French télé, on Terville Street. Doing mask, aren't you? On your free phone camera. Shorty Spoulon, people passing by. Free phone camera, pointing and shooting, man. We are on the center of the world. Oh, when he killed me for my last camera, I can't do this anymore. It's lovely to see someone out. I have to have a bodyguard to take my camera out. I'm powered about getting ripped, man. Killing me for £1,000 worth of cameras. Cheap shit, man. What happened, Gavin? Oh, no. It's not what happened. It's what could happen. What is happening? What's happening? I don't know. We're just walking down the street here. It's a phantom concept. Fashion and art, fashion. Above art, wrong order, man. Phantom concept, yeah. So galleries everywhere, we're gonna visit all the galleries you. Yeah. All of them. This is Trolley Gallery. Well fluid on the camera, man. Yeah, so all of them. We're gonna do all of them. Well, first of all, we're gonna go to a Neue Gallery. I think so, yes. Yeah. Which is just further down, yeah? Just up the road. Yeah, cool, yeah. Oh, but a bit of fresh air is wonderful, isn't it? A bit of fresh air is wonderful, hein? Yeah. Ça fait du bien un peu d'air français. Pas d'anglais, c'est pas de l'air français, c'est de l'air anglais. Mais il est très bon. C'est vrai. Donc c'est près de la mer, Londres, c'est près de la mer. Pour ceux qui connaissent pas. Non. For people who don't know where London is. Because some people don't know where London is, you know? Yeah. Hey! This is Belinda. Belinda, you're gonna see her every day with a new outfit. The most beautiful outfit. Let's go. Want a haircut? No, merci. Haircut? Later, no. I'm gonna have one. But not today. There's a place to do it now. Come to Belinda. Lovely to see you, darling. Painted lady, well. Hello. I'm going to turn off the camera in a minute. Lovely to see you, bro. You too. I was hoping to get the ring somewhere. My phone broke. Rob's phone, just to check. I knew you'd be in the lounge. By God, you're looking well, man. Hey, big smack on your boat, not like it used to be. Fucking marvellous. What a futuristic man. Yeah. Oh, marvellous, you know. Well, you know, okay. Meddling, etc. Oh. All right. How are you? I'm here. Nice to meet you, Ben. For Gouche. Hi guys. Say that. Lovely to meet you as well. Okay, and just email. Oh, no, I don't come here for the. Oh, for Eli. Yeah. Yeah, see you guys. Nice to see you at Christmas. Yeah, and I thought this lovely young lady Jasmine should be introduced to now you. Now we've met. Now you know we've met. It's just
some you know that I've met and have from the city. That's a nice hand, dude. Recycled high enough stuff. Hello. Give it to someone, give it to someone else. I ain't no I know you're cooking. Okay, so this is for today. Thank you very much, guys, for this little filming. Thank you. See you tomorrow. Or the day after tomorrow. Bye bye. This was French TV. The sample. Je pose la question. Alors, Tony Beers, là, c'est le jour J pour toi. Eh bien, oui, c'est bien le jour J, c'est quelques heures avant le départ de l'exposition French TV. Je vous invite à regarder French TV de plus près. Alors, je vous invite à vous mettre un peu plus par là, le cadreur, s'il vous plaît. Alors, Tony Beers, c'est le jour J pour toi ce soir. Eh bien oui, ce soir c'est le jour J, c'est l'inauguration de French Télé. Je vous invite à regarder French Télé, donc la télévision la plus basique du monde. Donc voilà, French Télé, c'est sur le mur d'en face. Attendez, là c'est... Ah voilà, ça reprend. Ouais. Donc pour l'instant, nous sommes deux spectateurs, nous sommes que deux spectateurs, moi-même. Ouais, vidéo de qualité, un peu minimaliste, mais... Oui. C'est pas mal, on voit qu'on a affaire à des artistes. Eh bien, vous voyez aussi un écureuil rose qui est une incrustation. Tony Beers, je crois que vous pouvez même rentrer dans le cadre là, hein, c'est bon. Oui, alors vous voyez l'écureuil qui est là sur ma gauche, c'est une incrustation des cavernes, à l'époque des cavernes, au début, à préhistoire de la télévision, c'est-à-dire maintenant. Voici la manière dont nous faisons les incrustations à la main. D'accord. C'est un système très pratique, très facile. C'est une représentation minimaliste de l'écureuil. Voilà. Et vous pouvez voir dans un art préhistorique. Et vous pouvez voir les pixels. Enfin, vous pouvez voir les pixels qui sont là. Vous savez. Les pixels. Oui, vous pouvez voir. Il y a des pixels. Effectivement. Oui, vous voyez. On voit. Donc l'exposition French Télé. On va faire un tour vite fait dans la galerie. Allons-y parce que après il va y avoir trop de monde, je suppose. Donc on va. Ouais, parce qu'il faut préciser, Tony, quand même, qu'il y a Mr. Wim ici sur en haut. Tony Beers là, Mr. Beers, monsieur, alors un autre spectateur, pour être certain qu'il y a toujours un spectateur de French ouais. Télé, on a mis... Alors venez par ici. Et puis c'est le vernissage aujourd'hui. C'est le vernissage aujourd'hui. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut préciser quoi. Mais ça va arriver dans pas longtemps, ils ont très soif. Alors voilà, nous sommes dans la salle principale, c'est pas encore nettoyé. Et donc voici le travail. Non, mais ça c'est normal, ça fait partie de... Oui, ça c'est l'installation, ça fait partie de l'installation de Francesco. Donc là, on a d'autres. Il y en a partout hein, pour l'instant. Il y a encore plein de choses à installer. On n'a pas encore fait le ménage. On est un peu en retard. C'est toujours comme ça à Londres. On est toujours à l'heure, quand même. Attends, je vais pas me casser la gueule. Je te suis, ça y est. Tu es dans le Loir, mais tu vas apparaître dans deux jours normalement. Nous avons par ici la reine d'Angleterre sur un drapeau. Ok. Avec des yeux, des lunettes comme de ça. Soleil. Et Mister Wim. Il est dans le sens, son sens original. Mister Wim en train de travailler. Alors, d'habitude, il est à l'horizontale, peut-être. Ça n'arrive pas souvent. Ah Mister Wim en direct. Ça se fait à France Télé. French Télé, s'il oui, te plaît. French Télé. Alors, French Pistolet. Ici, c'est. Ouais, voilà, Mister Wim qui a du mal et a une affiche qui est rebelle là-bas. Depuis tout à l'heure, on essaie de la coller, voilà, mais bon, apparemment, il y a eu raison d'elle. Donc voici encore une œuvre d'art qui a été commandée dans tous les musées du monde et qui n'a jamais, j'ai jamais voulu la vendre. Je la vends pour la modique somme de 3 milliards de dollars. En plus. Raconte-nous un peu l'histoire de... Essaye de la valoriser socialement, raconte-nous son histoire. C'est écrit « Fuck YouTube », bah oui, c'est pour French Télé. On a voulu faire une poupée de guerre pour gagner une bataille contre YouTube. On va bientôt dépasser. Ouais. Alors voilà, ici c'est un autre teddy bear qui est l'ours affamé. Donc je vous invite à secouer sa queue. Et... Voilà. D'accord, ok. C'est des. Ouais, c'est... Ouais, c'est des crampes d'estomac en fait, c'est pas autre chose. Du lapin, donc voilà, ici c'est d'autres œuvres. Et puis ben, je vais vous laisser retourner dans la salle. Ah bah il y a le sofa Milk and LED. Ouais. Exact. Ouais. Nickel, explique-nous un peu. Bleu, blanc, rouge. Est-ce que vous voyez le rapport avec French Télé? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est le drapeau français. Mais c'est vrai qu'on va. Je vais zoomer un peu sur le.
Sur le bleu, voilà. Voilà. C'est le travail de... C'est la touche. C'est la touche Mr. Wim. Belge. Belge, flamande. Il faut savoir que Mr. Wim est d'origine flamande. Oui, d'origine. Ouais, Tony, tu nous présentes peut-être encore autre chose, là. Eh bien, oui. Je sais pas, avons, par exemple, ici, Monsieur Wim en teddy bear. Ok. Donc, avec un imperméable, avec un imperméable jaune de pluie qui vient de un peu du type le ciré, c'est un ciré. Okay. Ici nous avons Dark Vador qui malheureusement ne fonctionne plus parce qu'il n'a plus de batterie. D'accord, c'est juste une question d'énergie. Oui, et ensuite là, voilà. Là c'est un chien, là c'est une chanteuse. Là. D'accord. Voilà, donc, c'est le dernier d'une série, c'est le dernier d'une série, donc il a les jambes cassées, mais... Donc voilà, celui-là, c'est le dernier des derniers, nous le vendons à prix soldé. Donc pas plus de 7 milliards de dollars pour cet objet qui est une investissement... T'as un objet de prédilection, enfin un ours. De prédilection. Un ours, une peluche. Eh bien, je dois avouer que... T'en as une que tu as envie de pas peut-être pas te demander celle que tu préfères, parce que je sais que ça va pas être facile à faire, le choix, c'est un peu tes enfants finalement. Ah ben en ce moment j'aime bien celui-là. On a toujours un préféré. Voilà, en ce moment j'aime bien celui-là, c'est Pollux en survêtement. Ok. Donc je trouve cool. Ça c'est un nouveau quoi, j'ai fait le mois dernier. Bon voilà, ça c'est mon préféré ce soir. Pollux. C'est de revoir peut-être, même si on l'a déjà vu. Mais tu vas... Bon, je vais t'inviter au préféré des jeunes filles. Excusez-moi. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Ça me fait une rêve, attends. Alors, ok. Ok. Il y a du boulot quand même, hein. Ouais, c'est vient du Canada. La dentition aussi. Ouais, voilà. Bon ben voilà, c'était pour vous. Bon bah écoute, Tony, on va s'arrêter là. De toute façon, en plus ce soir, on se fait chier là. Ce soir, on attend du monde, quoi. Ouais. Allez, on est parti. Ciao. I do an introduction. Okay. Yeah. So the movie starts like that. ABCD. Yeah. Thank you.
Yes! Finish. Ouais. Woo. So we start at the beginning. So where is the beginning? Whoa. So you know Marcel Duchamp? You know? Yes. You know Marcel Duchamp? Of course. Of course, yeah. You know, on the I can't remember what I saw the other day about the wheel. Uh-huh. But there is something special with the shadow of the wheel. Yeah, because it's bigger, you know? The shadow of the wheel, you make bigger wheel. So with the shadow, you know? Can I see the book? Yes. Wait, just a second. Okay. Yes, I'm excited. Show me this as well. Ah, this is some slides. Yes. Yeah, slide. Cool. Yeah, I see. I've got to focus. What is this? Is this no, that's okay. Just for my scrapbook, you know. I'm trying to. Whoa, what's this? Oh, yeah. Well, we can't really see. Yes, of course. Yeah. Yeah, let me show you. So, it's not finished, it's just a scrapbook. Some shadows from Tate. Wir haben eine Arbeitsteilung, wir haben viele Anbieter, die haben ihre Technologien und hier wird sich Stück für Stück herausstellen, was ist der durchschnittlich übliche Aufwand. Definition der Ware. Um Ware zu werden, muss das Produkt dem anderen, dem es als Gebrauchswert dient, durch den Austausch übertragen werden. Den Apfel, den ich in meinem Garten gepflückt habe, den habe ich nicht für den anderen gepflückt. Ok, bonjour, c'est French Télé. Tony Beers, oui, c'est Tony Beers, c'est moi. Oh, oui, yeah. Oh, yo, this is my friend.